بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أعدائي عدواتي، مزلمي مزلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix, miséricorde et bénédiction, quel bel engagement! Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer et de connaître l'islam, je sais qu'il y a des gens qui ont appris mes introductions par cœur. Attention, si je passe sans voir l'introduction, je vais me fâcher. Hein? N'avance pas. Salli wa sallim ala Muhammad. Et écoute et réécoute, s'il te plaît. Donc mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur et la joie de rencontrer l'islam et de le connaître, de l'approfondir, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Lancez-vous s'il vous plaît, sérieusement, sincèrement, récupérez vos têtes, récupérez vos âmes, récupérez vos cœurs. Soyez de vrais catholiques et arrêtez d'être des cathodiques. Et lancez, s'il vous plaît, pas de tabou, rien qui peut nous faire honte de l'islam. Rien, mais vraiment rien. Lancez-vous, s'il vous plaît, cherchez, soyez sincères. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de l'islam. Il y a un frère qui m'a dit il y a quelques mois déjà, qui m'a envoyé un message pour me dire « Je voudrais te faire découvrir quelqu'un. Un grand koufar. » Non, grâce à lui, tu vas apprendre à dire un grand kafir. Un grand kafir, non pas un grand kuffar. Al-kuffar, ça peut être les agriculteurs. D'accord? Ça peut être les agriculteurs. Et ça peut être, l'origine c'est ça. Et ça peut être les mécrés. D'accord? Donc, le kuffar c'est pluriel. C'est un pluriel particulier. Son singulier, c'est Al-Kafir. Donc, tu dois dire un grand kafir. Grand par rapport à quoi? Il peut être un petit kafir aussi. Pourquoi tu veux qu'il soit un grand kafir? Pourquoi tu lui colles l'adjectif grand? Méfie-toi de ça. Si je te le présente, ça fait de la pub. Mais il gagne beaucoup d'abonnés tous les jours. Et je le présente seulement à toi. J'ai vu ta vidéo où tu parles des idiots qui veulent boycotter des sites et des marques, mais qui font l'effet inverse. Leur font de la pub et gagnent de l'argent. Donc, moi-même, je disais il y a quelques années, c'est un grand principe, c'est un des grands principes que je adore, mais comme n'importe quelle chose, il y a des exceptions, il y a des évolutions, il y a des manières d'apprivoiser les choses. Et le fameux proverbe dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tu vois? Donc l'humain peut changer d'avis, peut apprivoiser un nouveau contexte, peut vouloir donner un cas d'école. Maintenant, j'aimerais bien donner un cas d'école. Un secteur qui se prend pour un apostat. Un secteur qui se prend pour un apostat. Il n'a même pas encore l'honneur d'atteindre le stade d'apostat. Un vrai apostat, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas un honneur, attention, pour ceux qui vont venir attaquer. Essayez de comprendre un peu comment je raisonne. Donc, il fallait prendre un cas d'école. Nous avons dans les grands principes malheureux, grande secte malheureuse, on a le matérialisme. C'est un très beau cas d'école. Le matérialisme, c'est vraiment un cas qui englobe tout, tous les malheurs, et qui s'est beaucoup développé. Mais je dois aussi vous parler, donc je prévois de parler du shaitan, imagine, de faire peut-être une série sur shaitan, une série sur Abu Lahab, par exemple, une série sur Pharaon,
par exemple. C'est très intéressant. Maintenant, il faut aussi faire une série sur quelqu'un qui se prend pour un apostat. Un cas d'école. Pour dire peut-être aux futurs cas d'école qui vont se présenter, c'est bon, on vous connaît parfaitement bien. Ne vous fatiguez pas. On sait ce qui vous anime, ce qui vous pose problème. Le pchit que vous dites au bout de quelques temps. L'état malheureux de vos vies. D'accord? La fuite en avant ou en arrière que vous menez. Donc tu vois, je ne suis qu'un humain. Je peux changer d'avis. Je peux évoluer. Je peux revoir mes positions. Je peux voir la faille d'un raisonnement du mien. Je peux dire, ah, il y a 10 ans que je disais ça. Imagine, vous dites des choses, vous les oubliez. Moi, je suis sur Internet, ça reste. Si on vous dit, un jour, tu l'as dit, tu peux toujours dire, tu peux toujours nier. Tu peux dire, je l'ai dit comme ci ou comme ça. Personnellement, c'est stabilisé sur Internet. Donc, je peux évoluer. Je ne suis qu'un humain. Je connais mes limites. Je connais les limites de ma tête, de ma raison, celle que je ne vois pas en plus, qui a posé problème à l'humanité tout entière. Tout entière. Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que ça? Tu peux expliquer comme des mouvements de neurones, d'électricité, ce que tu veux. Mais non, c'est quoi de l'immatériel qui sort du matériel? C'est quoi? Comment tu l'expliques? Quelle science peut expliquer ça? Quelle philosophie peut expliquer ça? Mais je connais mes limites. Tu prends n'importe quel mort d'il y a 50 ans, ou d'il y a 100 ans, tu lui dis on peut mettre la bibliothèque de l'Angleterre ou de la France dans ça. Il y a toute la bibliothèque dans ça. Tu as toutes les informations qu'on connaît de l'histoire dans quelque chose qui tient dans ça. Dans ça, peut-être. Non, il te dit non, fou. Enfin, c'est fou, c'est pas possible. L'imam, les contextes ont changé, les humains ont évolué. Lui, il ne peut pas, il ne pouvait pas imaginer ça. Il te dira, c'est de la folie. Il peut même te parler de miracle. Donc le cerveau humain, le mind, c'est pas le cerveau, c'est la raison humaine, s'arrête. Il doit connaître ses limites, n'est-ce pas? Imaginez le magide que tu veux me présenter. Il ne se dit pas que peut-être j'ai tort, peut-être j'ai faux, peut-être je n'ai pas assez approfondi, peut-être je me suis sectarisé, peut-être au lieu de s'attaquer, au lieu de m'attaquer au faux islam que beaucoup de musulmans ont prétendu et prétendent, au lieu de m'attaquer à tous les malheurs qui se font au nom de l'islam depuis très longtemps déjà, depuis beaucoup d'années maintenant, beaucoup même de siècles, au lieu de s'attaquer à l'éloignement total des gens de l'islam, lui voit les erreurs humaines, il imagine un système, le pauvre, qui existe, attention, il n'a rien inventé, il n'a pas inventé l'eau chaude, le magie. Il bâtit sur ça une nouvelle divinité, une nouvelle raison d'être. D'accord, donc, enfin, j'ai encore eu des demandes. Et le magide commence à intéresser les non-musulmans, commence à poser problème à quelques non-musulmans, donc on ne doit pas cacher un savoir. C'est interdit, au islam. Donc là, il faut développer le savoir pour répondre à magie. Il faut aussi parler du cas d'école. Il faut commencer à le caractériser. Très bien. Il faut aussi dire à nos non-musulmans qui sont derrière, qui font de la pub à ce type de choses, que j'ai vu naître personnellement. Moi, je l'ai vu naître. Je l'ai vu arriver. Je lui ai accordé une grosse partie de nuit, de mes nuits blanches. Non, je me suis intéressé à lui. Je me suis amusé à m'intéresser à lui. Et je l'ai laissé tranquille. Je l'ai laissé couver un peu. Il a bien couvé ses petits. Donc là, il faut absolument qu'on commence vraiment Inch'Allah, à lui répondre. À vous répondre. Le but, c'est à vous répondre. Et à lui dire, peut-être le raisonnement peut s'arrêter. Peut avoir des limites.
Il faut quand même avoir un minimum d'humilité, un minimum de modestie. Quand le David veut s'attaquer à Goliath, il faut quand même un minimum de modestie, ou un minimum de ruse, un minimum d'intelligence, un minimum d'ouverture d'esprit aussi, un minimum de souplesse. Non. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Des idiots qui veulent, ok, leur font de la... Donc, j'estime que tu es quelqu'un à considérer. Et que si je te le présente, c'est encore de bonnes mains. Pas dans les mains de quelqu'un qui va lui faire de la pub ou qui va faire n'importe quoi sans réfléchir. Donc, il s'appelle Majid. C'est un pseudo-intellectuel arabe. Non, enlève le mot arabe, s'il te plaît. Il n'a rien à voir avec l'arabe ou avec les arabes. Et je lui ai déjà conseillé de sortir, de changer son prénom parce que Majid, c'est glorieux. Petite traduction du mot. C'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Problème, il faut le changer, je pense. C'est un pseudo-intellectuel arabe qui dit avoir été musulman. Non. Il n'a jamais été musulman. Et il passe sa vie à insulter l'islam. Il a écrit un livre débile. Il essaie de le vendre à des islamophobes pour le prix de 22 €. Il a une chaîne YouTube et à partir du soufisme, il démonte l'islam. Ah bon? Facile ça, démonter l'islam. Raconte que c'est une secte de pédophiles, on l'a déjà entendu, etc., etc. Tu connais ces gens mieux que moi, je le sais bien. Voilà une de ces vidéos. À force, on connaît par cœur leurs arguments, leur vie et leur psychologie. Ce frère qui m'a envoyé ce message, subhanallah, il y a quelques mois, je pense qu'il a aujourd'hui 19 ans, 20 ans. Donc il y a quelques mois, ou même maintenant il y a un peu plus d'une année qu'il m'a contacté. C'était quelqu'un qui essayait, le pauvre, de naître dans l'islam. Donc il était un peu encore pur. Et un jour il m'envoie un grand mail où il prend sa propre mère pour une presque mécréante. Sa cousine fume, c'est une mécréante, prostituée. Ses cousines sont prostituées d'après lui. Parce que une telle ne prie pas, l'autre fume, sa mère ne porte pas le hijab. Donc j'ai vu une méchanceté hors du commun. Donc ce personnage qui m'a envoyé ce mail sur Majid. Ce même personnage, au bout de quelques mois, il s'est sectarisé à mort. D'accord, il est devenu, mais ça ne m'étonne pas, quand j'ai vu son mail, je me suis dit, le pauvre, aïe, 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 quelle frustration il a développée en lui. Quelle haine il a pour sa propre mère. Je ne peux pas lire, je n'ai toujours pas pu faire un message, un rappel à partir de ce grand message. Mais pourquoi je vous parle de lui? Mais quand quelqu'un se laisse aller dans le sectarisme, il ne peut que devenir un magite. Et nous avons beaucoup de magites qui s'ignorent parmi nous. Nous avons beaucoup d'apostats qui s'ignorent parmi nous. Nous avons de vrais athées qui s'ignorent parmi nous. Nous avons des gens qui ont peur de poser des questions ou de se poser des questions. Ils veulent rester dans la djellaba. Ils veulent être couverts par la djellaba. Ils veulent pas, ils ont peur de douter. Ou le moindre mouvement les fait douter. Donc je leur dis, Majid est une énorme chance pour vous. C'est vrai que quand l'athée non musulman à la base casse l'islam, ça ne vous fait rien. C'est vrai, vous pensez avoir une immunité naturelle contre celui qui est à la base athée et qui marquette ses trouvailles. Quand il s'agit d'un ancien musulman, alors que je vous dis, il n'était pas musulman avant, ça vous perturbe, ça vous pose problème. Quelques-uns, pas tous, nous avons des musulmans, nous les avons, alhamdoulilah. Mais je vois quelques-uns qui sont un peu perturbés. D'accord? Donc je leur dis, s'il vous plaît, c'est une chance. Majid est une chance pour vous. On va l'analyser, on va le scruter. Et je vous demande, s'il vous plaît, comme à chaque fois, vous allez prendre ces belles trouvailles, celles que vous connaissez déjà, qui ne vous posent pas de problème, qui ne suscitent pas le doute en vous, vous les mettez à la poubelle, ils ne m'intéressent pas. Par contre, n'importe quelle trouvaille
de Majid. Et je vous dis déjà que toutes ces trouvailles ont déjà été trouvées. Le Eureka a été dit depuis des centaines d'années, d'accord? Sous différentes formes, mais le même Eureka a déjà été dit. Non. Donc, vous allez me lister, Inch'Allah, vous pouvez m'écrire un mail par trouvaille qui vous pose problème. Soyez honnête, n'ayez pas peur, d'accord? Et Majid va vous aider, Inch'Allah, à enfin décider d'ouvrir le Coran et de commencer à écouter Allah lui-même vous parler. Majid et d'autres, et ce qui se passe dans le monde, et tous les doutes qu'on distille par-ci par-là sur Allah et sur ça, la religion d'Allah, vont devoir vous aider à vous immuniser une fois pour toutes pour l'islam. Donc dites merci, Majid. Assalamu alaikum. J'ai oublié les non-musulmans. Les non-musulmans, toujours la même chose, vous allez observer vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, les orientalistes, ceux que vous avez envoyés dans les pays arabes, vos évangélistes, non, tous vos hommes et vos femmes qui ont travaillé pour saper l'islam. Il y a encore quelques-uns encore en vie. Ils sont toujours là. Non. Vous allez, s'il vous plaît, comparer les trouvailles de Majid que vous publiez, que vous diffusez. Il explose, le monsieur, dans le bon sens. Sur YouTube, il explose apparemment dans le bon sens. Ces vidéos intéressent 1000, 2000, 3000, pas vues. Ça intéresse 1000, 2000, 3000, M, j'aime, c'est rare ça. Et nous, on ne sait pas comment on peut, les pauvres, quand on a 3 M, on dit aïe aïe aïe. Alors, c'est devenu intéressant. D'accord. Donc, c'est normal tout ça, c'est logique, ça ne m'étonne pas. Le rappel pur et sincère se mérite, les amis. Pouvoir aimer le rappel sincère, pouvoir le diffuser, ça se mérite. Et c'est vrai que les musulmans ne peuvent pas partager le khayr, et les koufars, les mécréants, même, et les athées, aiment partager le kufr et le mal. D'accord? Les musulmans peuvent se lamenter, mais ils ne peuvent pas partager le khayr. Ils ne peuvent pas supporter ça. Même entre eux, même les prédicateurs entre eux, chacun va travailler sur lui-même, va se glorifier lui-même. Non. Mais on ne peut pas parler de l'autre, on ne peut pas partager l'autre. Bon, c'est pas très grave, ça. Mais ça doit vous interroger. Comment se fait-il que Ahlul Kufr travaille vraiment, ils sont solidaires, n'arrêtent pas. Je donnais l'exemple l'autre jour, j'ai fait une vidéo suite aux attentats de Benchik, de Bruxelles, et un raté ou un athée, comme celui autour duquel on tourne aujourd'hui, a fait une vidéo un jour ou deux après moi. La mienne, comme on dit, c'est pas racolé, c'est pas racolage, attention, c'est un mot qui est tombé dans ma tête, mais c'est pas le bon. Vous connaissez le mot, je pense. En 2000-3000, au bout de quelques jours, cette vidéo de ce personnage, au bout du premier, deuxième tour, de jour, il a atteint plus de 100 000. Là, je pense qu'il est déjà arrivé à 200 000. C'est un ancien musulman qui s'est pris pour un athée, le pauvre, et qui passe son temps à casser l'islam. Je l'ai déjà traité dans mes rappels. Donc ça vous donne la puissance du travail derrière des mécréants. Et l'intérêt que les mécréants portent pour ce type de thèse et de discours. Non. Donc je vous dis, mes amis non-musulmans, séduits, séducteurs, autour de ces thèses-là de Majid, trouvez-moi les meilleurs que vos arrière-grands-parents et vos athées actuels et vos malheureux actuels n'ont pas trouvé. Ils m'intéressent. Donc chacun de vous m'envoie un mail avec la trouvaille, s'il vous plaît. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.